Ça fait 3 heures de l'eau, moi c'est bon, j'ai mon quota, je peux en rester là. Première spéciale au lever du soleil, c'était magnifique. Oh super, la dernière, l'horreur, mais elle nous met dedans, elle nous pour la suite. On a fini la boucle lune et on va s'arrêter là. Bon, ça c'est quand même un sacré morceau, t'as beau la connaître et savoir faire du vélo, t'es jamais sûr d'arriver en bas, donc ça, je pense que celle-là elle va faire du mal, surtout sur les retardataires, là ils vont y laisser des plumes. Super cool, les spéciales ça se passe très bien, mais le problème c'est les montées, donc je vais pas perdre de temps parce qu'il me reste beaucoup de temps pour me reposer avant d'attaquer la boucle de cette année, déjà conditions sec, donc c'est une bonne chose. On pouvait quand même vraiment jouer avec le terrain, il y avait plus de vitesse et c'était vraiment fun à rouler. Après, les chemins toujours aussi techniques, la troisième boucle toujours aussi exigeante. Non, encore un grand cru cette année.